Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Europe. Nous sommes une nouvelle fois au Parlement européen de Bruxelles. Notre invité pour cette émission est Pascal Durand, eurodéputé écologiste d'Île-de-France. Ensemble, nous allons tenter de répondre à une question. L'Europe est-elle assez ambitieuse pour l'environnement? Vaste sujet donc au programme. Nous vous présenterons aussi durant cette émission celles et ceux qui ont bâti l'Union européenne avec un zoom aujourd'hui sur le parcours de Nicole Fontaine. Il sera question également de moralisation de la vie publique, premier texte porté sous la présidence d'Emmanuel Macron. Nous verrons ce qu'il en est chez nos voisins européens. Pascal Durand, bonsoir. Bonsoir. Avocat de formation, vous avez intégré la sphère écologiste, si je puis dire, en 2006, concrètement en tout cas. Voilà. Deux ans plus tard, vous fondez avec Daniel Cohn-Bendit Europe Écologie Les Verts. Vous avez été aussi secrétaire national du parti entre 2012 et 2013, puis tête de liste en Ile-de-France pour les européennes de 2014. C'est donc votre premier mandat électoral. Une question comme ça, un peu de curieuse. Est-ce que vous pensez déjà à 2019, aux prochaines élections européennes? Est-ce que vous serez candidat? Est-ce que vous avez envie de l'être? Ou alors peut-être vous avez envie de connaître un autre échelon électoral dans votre parcours politique? Non, alors déjà je peux répondre facilement à la dernière question. Un autre échelon électoral, non. Moi j'avais vraiment fait le choix de l'Europe. J'ai abandonné ma vie professionnelle après 30 ans d'un métier passionnant et que j'adorais, que j'aime toujours dans l'absolu, justement à cause de l'Europe. C'est vraiment un choix pour moi, la question européenne. Oui, la question européenne est une question majeure. C'est un levier absolument essentiel pour les idées auxquelles je crois, pour répondre à la question climatique, enfin environnementale d'une manière générale, mais pas que, hein, industrielle, sociale. Je pense que l'Europe est vraiment le bon espace. Donc si j'ai un mandat à reprendre, si je dois aller sur un deuxième mandat, ça sera un mandat européen. Après, je ne vais pas faire de la langue de bois. On a des difficultés à porter à l'Europe quand on a de vraies convictions, on a des difficultés à porter ce en quoi on croit. Souvent on se lève le matin en disant voilà, je vais essayer d'avoir ça, et puis on se couche le soir, on l'a rarement eu. On a des victoires, mais bon, c'est compliqué, et il y a un moment où on se dit après tout, est-ce que c'est vraiment la place d'un écologiste, c'est une vraie question. Je ne devrais pas la poser comme ça parce que ça paraît un peu défaitiste, mais je la pose comme ça. On aura l'occasion peut-être d'en reparler d'ici. En tout cas, c'est un vrai questionnement. D'ici 2019. Chaque mois, nous vous faisons découvrir celles et ceux qui ont participé à la construction européenne. Ce mois-ci, Nicole Fontaine, elle fut présidente du Parlement européen de 1999 à 2002. L'une des seules femmes à avoir occupé ce poste avec Simone Veil 20 ans plus tôt. Son parcours et ses principales actions avec Philippe Le Guen, directeur de l'association Jean Monnet, basé dans les Yvelines. Nicole Fontaine, elle a été très longtemps députée européenne, depuis 1984, et elle a été pendant 10 ans députée européenne et très active sur toutes les questions, vraiment de rapprocher l'Europe des citoyens. C'était son sujet. Vous savez, elle vient du monde de l'éducation en France. Elle a été longtemps au sein du ministère de l'Éducation chargée de l'éducation catholique, des relations entre l'éducation catholique et l'État. Chacun, évidemment, a sa personnalité, peut-être aussi ses affinités. Et donc, elle avait vraiment cette fibre de vouloir rapprocher l'Europe des citoyens européens. Ce qu'avait commencé à faire Simone Veil, évidemment. Hein. Donc, elle a continué ce travail. Il y a eu Simone Veil, 20 ans avant moi, la première présidente du Parlement européen. Puis il a fallu attendre 20 ans pour que le Parlement élise à nouveau une femme. J'espère qu'on n'attendra pas à nouveau 20 ans pour élire une nouvelle femme. Elle a été à l'origine aussi du grand lancement, enfin, pour la partie du Parlement européen, mais qui co-décide hein, les politiques, grand lancement des programmes tels qu'Erasmus, les programmes aussi qui permettent de rapprocher l'Europe des citoyens. Réduire la distance, ça c'est vrai que, modestement, parce qu'on ne veut pas tout faire, ça a été une de mes ambitions. Et puis, une deuxième ambition, faire exister le Parlement européen sur la scène extérieure. Et puis aussi, une troisième ambition, bien marquée, que nous ne sommes pas seulement un marché commun, un marché unique, mais que nous sommes une communauté de valeurs et de destins partagés. Et puis, également, elle a été
Elle a marqué parce qu'elle a écrit plusieurs livres de vulgarisation un petit peu sur le fonctionnement de l'Europe, des programmes, du Parlement européen. Donc elle a permis vraiment de rendre cette institution beaucoup plus compréhensible pour les citoyens. L'idéal européen s'est sensiblement émoussé au cours des dernières années. Il nous faudra beaucoup de foi et de pédagogie pour allumer la flamme. Pascal Durand, si je vous pose la question simplement comme ça, comme s'il s'agissait finalement d'un devoir pour un lycéen, l'Europe est-elle assez ambitieuse pour l'environnement? Que diriez-vous, sans chiffres, sans préalable de réflexion, que diriez-vous? Est-ce que vous seriez plutôt positif, optimiste ou plutôt pessimiste? Non, je serais réaliste. Et la réalité, c'est que l'Europe fait beaucoup pour l'environnement. Elle fait beaucoup plus que ce que font les 28 États pour le moment à travers l'Europe, puisqu'on voit que fréquemment, c'est la transcription de directives européennes sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air, sur la question des émissions. C'est l'Union européenne qui donne le là pour les pays. C'est en fait l'Union européenne qui est vraiment le lieu où on essaye d'harmoniser les normes environnementales. Voilà. Donc, est-ce qu'elle fait pour l'environnement? Oui. Est-ce qu'elle fait suffisamment? C'est pareil pour un écologiste. Un peu comme un devoir. Thèse, antithèse. Non, synthèse. Mais pour un écologiste, on fait jamais assez, bien sûr. Il y a des vraies avancées. Hein. Encore une fois, l'air qu'on respire, l'eau que l'on boit, ça c'est. Si on avait le respect des normes européennes, on se sentirait mieux. Il y aurait moins de maladies respiratoires, notamment. Il y aurait. Bon, on résout pas tout à travers la question environnementale, bien sûr, hein, mais on résout beaucoup à travers des normes sur la santé, sur la chimie, sur la pollution alimentaire, enfin, etc. Votre message est donc plutôt positif. Oui, pour l'Europe. Les Européens oui. Le savent pas forcément, ça, puisqu'on dit toujours qu'il y a un désamour entre l'Union Européenne et les Européens. Là, vous avez un message positif. Oui. Ils ne sont pas au courant. La faute à qui et pourquoi? Alors, d'abord et avant tout, à une mauvaise communication de la part de nos dirigeants politiques nationaux. C'est pas pour renvoyer la balle, mais c'est simplement à chaque fois qu'ils vont. D'abord, on parle jamais ou presque dans les médias. Je vous dis ça, mais je devrais pas. Mais télévision locale en plus. On parle pas suffisamment, en tout cas. Voilà, on va dire ça comme ça. Et notamment par rapport aux autres pays européens, hein, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Ça s'intéresse beaucoup plus. Il y a de vraies émissions sur l'Europe, il y a des vraies pages Europe à l'intérieur des journaux, des bons. Mais laissons ça de côté. Mais donc, un, on n'en parle pas assez. Deux, on ne relie pas l'Europe à la réalité. Par exemple, je ne suis jamais invité à l'inauguration d'un centre de formation professionnelle, alors que l'Europe finance, en règle générale, à 50% ces centres-là. Bon, enfin. Et puis, il y a les dirigeants français qui, à chaque fois qu'ils vont à Bruxelles, on a l'impression qu'ils vont à la guerre. C'est-à-dire qu'ils reviennent avec des victoires ou avec des défaites. Ils jouent avec l'opinion, peut-être. Ils jouent avec l'opinion, mais tout ce qui va mal, c'est la faute de l'Europe. Et puis, tout ce qui va bien, évidemment, c'est franco-français. Ça n'est pas raisonnable, ça n'est pas sérieux, ça n'est pas comme ça qu'on va créer une vraie dynamique entre l'espace européen et l'espace régional, l'espace des territoires à l'intérieur de chacun des pays. Alors, on va évoquer évidemment cette politique environnementale. Si on se penche sur les chiffres, l'Union européenne s'est fixé des objectifs clairs, nets et précis, notamment à l'horizon 2020 et puis 2030. Si on prend l'horizon 2030, réduction, un certain chiffre des gaz à effet de serre de 40% par rapport à 90, 27% d'énergie renouvelable. Quand on n'est pas forcément expert, qu'on ne sait pas ce que valent ces chiffres concrètement, on a l'impression d'une ambition, mais aussi là un peu mieux faire, comme si ça suffisait à avoir 10 sur 20, mais on ne prend pas le risque de trop en faire pour avoir une meilleure note. Alors vous posez vraiment la bonne question. On est dans la comparaison. Mais vous posez la bonne question. C'est-à-dire en réalité, on se focalise sur les chiffres et donc il y a eu des bagarres. Est-ce qu'il faut 30%? Est-ce qu'il faut 27%? Est-ce qu'il faut... Alors certains vont vous dire il faudrait 40, d'autres... Bon. La réalité, c'est que ce qu'on voudrait voir, c'est des politiques publiques commune, réelle, ambitieuse. C'est-à-dire que ce que l'on veut et ce que voudrait, mais au-delà des gens, ce que l'on veut nous, tout simplement, c'est où va l'Europe? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'on doit continuer à dire on va financer le charbon en Pologne? Est-ce qu'on va continuer à financer les renouvelables en Allemagne et moins de charbon? Le nucléaire en France? Moi, ce que j'aimerais voir, c'est une véritable politique commune, comme il y a eu dans le passé pour des sujets importants, c'est qu'on ait une véritable politique commune sur l'énergie,
énergie, sur la question du climat, et que finalement on fasse preuve d'une grande maturité là-dessus, parce qu'on voit très bien que l'énergie, le prix de l'énergie augmente, il y a énormément de difficultés autour de l'énergie. Il faut qu'on arrive à avoir une Europe qui soit à la hauteur des enjeux et qui soit au rendez-vous. Pour le moment, elle ne l'est pas. J'allais justement vous poser la question, est-ce que, un peu comme sur l'Europe de la défense, sur les problèmes migratoires, est-ce qu'en fait c'est 28 voix différentes ou alors quand même il y a un message commun? Est-ce que c'est chacun ses intérêts, chacun son industrie, chacun ses emplois et puis peu importe ce que fait l'autre ou ce que pense l'autre? Alors il y a les deux. Vous savez, c'est les deux. Il y a, et notamment la France avec le nucléaire. Notamment la France, mais pas que le nucléaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les mots. Quand vous prenez le discours du président de la République à la Sorbonne, que moi j'ai salué, parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a plus un président comme ça qui pose la question européenne, qui la met en avant et qui la revendique. Donc ça, c'est une excellente chose. Mais derrière, les gens attendent du concret et des actes. Donc concrètement, une Europe de la diplomatie, une Europe de la défense, une Europe de l'énergie, une Europe agricole, comment ça se décline? Comment est-ce qu'on la met en œuvre? Donc il ne faut pas simplement porter des ambitions européennes de principe, il faut aussi les acter. Par exemple, le budget européen. Quand le président de la République dit « je veux un budget pour l'Europe », mais nous aussi on veut un budget pour l'Europe, bien sûr, mais ce budget, il est financé comment? Uniquement par les États, par des budgets propres, par exemple la taxe sur les transactions financières européenne, de manière à ce qu'on ne porte pas atteinte à la concurrence en interne. Pourquoi est-ce qu'elle n'est toujours pas mise en œuvre depuis 2008, promise par Nicolas Sarkozy? J'allais vous poser la question, même si vous n'êtes entre guillemets que eurodéputé, que vous n'êtes pas chef d'État, vous avez pas grand-chose, c'est ça que vous voulez me dire. Vous avez un pouvoir politique, alors pourquoi ça bloque? Mais parce que vous n'avez pas assez de pouvoir au Parlement européen. Parce qu'on est le seul espace démocratique sur cette planète, à être en co-législation avec le Parlement d'un côté et puis le Conseil, donc les représentants des États des autres. En gros, c'est comme si la France, l'Assemblée vote une loi, et puis une fois que la loi est votée, eh ben vous avez le gouvernement qui dit oh « ben non, finalement, cette loi, elle ne me plaît pas, on va la renégocier, on va rediscuter, etc. » Ça se passe comme ça, l'Europe. Je veux dire que le Parlement européen, qui représente les Européens, est beaucoup plus ambitieux. Que les décideurs, eux, qui bien sont, sûr, eux parce que les États, après, je parlais par exemple de la question, vous envisagez l'énergie. Quand on arrive à discuter au niveau des États, quand il n'y a pas un espace général européen, une défense de l'intérêt général européen, c'est un peu après la foire d'empoigne en disant bah oui, mais moi, vous mettez des fonds sur le renouvelable, mais le renouvelable, c'est quoi? Les énergies douces, c'est quoi? Est-ce que le nucléaire, c'est une énergie qui doit être considérée comme non carbonée? Et donc, ces débats-là bloque toute vision générale. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une commission européenne qui est beaucoup trop faible. La commission européenne devrait être beaucoup plus indépendante des États. L'Union européenne. Elle est censée représenter l'intérêt général européen comme nous. Nous, on le fait, honnêtement, c'est pas pour dire, je vous assure que les députés, ils travaillent vraiment à essayer de faire l'intérêt général européen. Alors, il faudrait que la commission soit un peu plus là-dessus et un peu moins sur je représente les États. Puisqu'on parle d'environnement, parlons d'une politique environnementale, celle de l'énergie, par exemple. Si on avait une vraie politique européenne d'énergie, à quoi ça ressemblerait concrètement? Qu'est-ce que ça définirait? La capacité à tenir les objectifs, par exemple. C'est-à-dire que quand on... Ça fixerait, par exemple, le pourcentage de... Ça nous permettrait de développer les énergies renouvelables pour avoir... La seule énergie sur laquelle nous ayons une indépendance à terme, à l'horizon 2050, ce sont les énergies renouvelables. Les éoliennes, la biomasse, le solaire, etc. Ça, on sait qu'on n'a pas besoin de l'importer. On l'a en Europe. On importe 400 milliards donc à peu près par an d'énergie. Donc ça pourrait obliger les États à... Mais oui, ça voudrait dire que l'Europe devrait fixer ce cap, avec évidemment des périodes intermédiaires. Personne n'a dit qu'on va appuyer sur un bouton demain matin, plus de charbon, plus de nucléaire, ça n'existe pas, nulle part, personne ne croit ça. Mais à 20, 25, 30 ans, sur une énergie, on peut avoir des plans. Et surtout, avoir des intermédiaires et des obligations. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'être dans le déclaratif, mais qu'on regarde et que les États rendent compte des politiques publiques qu'ils ont mis en œuvre et des résultats, et qu'ils soient sanctionnés. Par exemple, qu'il n'y ait pas d'aide. On parle de 27% d'énergie renouvelable en 2030. Mais si on n'y arrive pas, il ne se passe rien. C'est pas contraignant, c'est ça le problème. Moi, ce que j'aimerais, c'est pas pour punir, c'est pas ça. C'est simplement que si un État qui vit aussi pour une grande part des subventions européennes avait des objectifs à tenir et que si ces objectifs ne sont pas tenus, sauf évidemment explication, raison, il peut y avoir plein de raisons, objectifs, mais s'il ne fait pas l'effort, par exemple, la France sur le nucléaire. 16% d'énergie renouvelable. Oui, mais parce qu'il y a énormément d'hydraulique. 2020. Oui, encore. On pourrait, par exemple, punir, si entre guillemets, en tout cas, bien sûr, la France. Si l'Europe finance
et que la France ne respecte pas ses objectifs, eh bien il faudrait qu'il y ait des sanctions qui tombent, mais pas d'un coup, mais simplement qu'on puisse mettre en demeure en disant « attention, vous n'atteignez pas les objectifs ». Nous, on a la chance d'avoir eu de l'hydraulique qui a été préparée il y a des années. Heureusement, ça nous permet d'avoir une part d'énergie renouvelable qui n'est pas totalement ridicule. Mais de fait, on ne fait aucun effort sérieux et par ailleurs, on continue à surinvestir dans la question nucléaire et à sous-investir sur les énergies renouvelables. Alors, puisque vous me tendez la perche, l'actualité, en tout cas, l'une des actualités il y a quelques semaines en France, c'était l'annonce du gouvernement et de Nicolas Hulot que la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité allait être repoussée. Cette réduction a été prévue initialement en 2025 pour passer de 75 à 50%. Nicolas Hulot a reconnu que ce n'était pas possible, à moins de conserver les usines à charbon, voire en ouvrir de nouvelles. Est-ce que c'est juste d'après vous? Est-ce qu'aujourd'hui la France n'a pas les moyens de réduire sa part du nucléaire dans la production d'électricité? En tout cas, ou alors elle ne s'en donne pas les moyens. Voilà. Je ne vais pas polémiquer, surtout avec le gouvernement actuel, dont vous êtes proche. Et dont je respecte et les convictions et l'engagement, et encore une fois Nicolas est quelqu'un dont on a besoin. Alors là vraiment, s'il y a quelqu'un dont on a besoin dans ce gouvernement, c'est de Nicolas Hulot. Mais la réalité, c'est que cet objectif de réduction à 50% en 2025, il devait suivre une trajectoire. On part d'un point A qui était le point 2013 quand le président Hollande dit il faut aller vers cela. C'est une annonce du président de la République. On est en 2013. 2017. 2015, ça rentre dans la loi. Donc ça devient force de loi, donc la loi, tout le monde doit la respecter, enfin vous respectez les feux rouges, je ne vois pas pourquoi le gouvernement s'exonère. Bah, 2015, et on arrive en 2017, rien n'a été fait. On n'a pas fermé de centrale nucléaire, on n'a pas... Et on ne peut pas mettre un coup d'accélérateur donc, en l'espace, on a perdu 2 ans, et c'est compliqué, bien sûr 8. Qu'on pourrait le faire, mais simplement il y a un devoir aussi de vérité, et il y a un moment où Nicolas Hulot aurait dû dire, et il l'a dit mais un peu trop tard, il aurait dû dire... On n'a pas respecté les engagements sur la période 2013-2017, donc maintenant on est dans une situation très compliquée pour 2025, sans être brutal. Après, l'annonce elle a été un peu rapide, uniquement basée sur des scénarios RTE. RTE, c'est une filiale d'EDF, et on sait le lien qu'EDF a avec le nucléaire. Donc, peut-être qu'on pourrait aller vers un peu plus d'expertise indépendante. Je crois que Nicolas Hulot s'est engagé sur ce point. J'attends, bien sûr, très prochainement le nouveau plan de manière à ce qu'on atteigne quand même ces 50%. Une réflexion un peu plus générale maintenant. Le vieux continent est le troisième pollueur au monde derrière la Chine et les États-Unis. Ouais. Est-ce qu'on pourrait, selon vous, concrètement, aller plus loin que les chiffres dont on a évoqué? Alors, vous m'avez déjà répondu que oui, mais dire concrètement dans quelques décennies que l'Union européenne pourrait être un continent complètement vert et être un modèle pour le monde entier, parce qu'on a les capacités et puis ça serait aussi une porte pour lutter contre le chômage, la transition écologique. Est-ce qu'on peut devenir d'ici 20-30 ans complètement vert? Alors complètement vert, j'en sais rien. Maintenant, est-ce que cet objectif, on a la capacité de le mettre en œuvre? La réponse est clairement oui. On peut le faire, il y a des études, mais très très claires, notamment de l'ONU, qui, à l'horizon 2050, nous explique qu'on peut être sur une énergie positive, qu'on n'aura plus besoin d'importer d'énergie fossile. On peut le faire. La question, on sait que ça va créer des millions d'emplois, je dis bien des millions d'emplois. Ça va relocaliser notre industrie. Il faut qu'on baisse les productions dans les pays éloignés, avec des coûts de transport subventionnés qui nous coûtent une fortune, et dans des conditions en plus de production qui sont scandaleuses sur un plan social et environnementale. Il faut qu'on relocalise, il faut qu'on protège le continent européen et il faut qu'on se donne les moyens, de redévelopper à nouveau une industrie, effectivement d'être dans une énergie et une agriculture beaucoup plus verte et positive. On peut le faire, c'est bon pour tout le monde, pour l'emploi et pour la planète. On parle souvent du couple franco-allemand sur toutes les thématiques. Est-ce que là aussi, sur cette problématique environnementale, la France et l'Allemagne ont ce rôle moteur à jouer, ou alors c'est un peu une vision archaïque de toujours penser au moteur franco-allemand? On en a besoin. En réalité, ça a été une grande part des locomotives. C'est les deux pays les plus importants, et en termes de population et en termes économiques. Mais pas les plus verts, en tout cas, aujourd'hui, puisqu'on insiste sur ce mot vert. La Suède est déjà à plus de 50% d'énergie renouvelable. Oui, bien sûr. Et le Danemark a fait aussi beaucoup d'efforts. On n'est pas dans le même contexte. C'est pas les mêmes histoires. Donc, il y a un moment où on dit souvent comparaison n'est pas raison. La France ou l'Allemagne, ça n'est pas la Suède ou le Danemark. On n'a pas les mêmes déplacements, les mêmes territoires.
Mais simplement, on peut effectivement se donner des orientations. La France et l'Allemagne ont su le faire dans le passé, on a su le faire sur le charbon et l'acier, faisons-le là, sur notre industrie, sur les énergies nouvelles, on peut y arriver, il y a une question de volonté politique. Après, attention, il ne faut pas que la France et l'Allemagne constituent le noyau unique sans d'une ouverture. Europe. Mais non, parce que sinon on va avoir une Europe où un certain nombre de pays à la périphérie, on commence à le voir notamment avec la Pologne, avec la Hongrie, etc., vont se sentir complètement en dehors de ce schéma-là, et on va être comme dans une classe où il y aurait des bons élèves et où on abandonne à la fin de la classe les mauvais élèves. C'est pas une bonne idée, surtout quand les mauvais élèves deviennent plus nombreux que les bons. Donc ça, c'est pas non plus la solution sur toutes les questions européennes. Il faut de la France-Allemagne, mais pas que. Pascal Durand, encore une question, ce n'est pas moi qui vais la poser, c'est la dernière de cette émission qui n'est pas forcément en lien avec notre sujet d'actualité. C'est un maire et puis conseiller départemental qui vous la pose, des Yvelines. Vous avez juste à cliquer là, à l'écouter et puis vous pourrez lui répondre juste après. Bonjour, je suis Carl Olive, maire de Poissy. Je suis heureux de pouvoir vous poser une question. La vérité, c'est que j'aimerais pouvoir avoir l'honneur de faire votre connaissance. Je suis profondément européen. J'ai été élu en 2014. Je suis conseiller général depuis 2011. J'étais journaliste auparavant, depuis une quinzaine d'années ici sur le territoire. Je n'ai jamais vu un député européen sur le terrain. Venez sur le terrain. C'est la vérité qui parle et la vérité, c'est celle du terrain. Pascal Durand, il ne vous attaque pas, vous, personnellement. Non, non, non. C'est les eurodéputés en général qui sont visés. Qu'est-ce que vous répondez? C'est vrai qu'on, honnêtement, moi aussi, qui suis sur le terrain, en tout cas, yvelinois, on voit rarement des eurodéputés en déplacement ou autre. Vous disiez tout à l'heure, on ne vous invite pas. Est-ce que vous aussi, vous venez de vous-même? Alors, moi, je viens, je pense qu'il n'y a pas une semaine où je ne suis pas en déplacement. J'en ai visité j'ai visité des centres de ressourcerie. Je suis allé visiter des agriculteurs. Tout ça dans les jours qui viennent de passer. Donc, ça n'est pas vrai. Je suis allé dans le 92, je suis allé dans le 91, je suis allé maintes fois dans le 95 et donc, non. Et à Paris aussi, bien sûr. Juste pour les autres eurodéputés, peut-être? Oui. Non, alors, moi, je ne peux pas répondre pour les autres. Je peux dire que, et là, vraiment, je veux bien, mon agenda est publié. Je réponds à toutes les invitations. Donc que le maire de Poissy, qui visiblement est quelqu'un de convaincu sur l'Europe, m'invite, et je vous garantis que je serai à Poissy, mais je vais partout où on me demande d'aller et là où l'Europe a une utilité. Maintenant, je répète, nous ne sommes jamais invités. Quand est-ce que le maire de Poissy a invité un député européen à venir dans sa ville? Voilà, c'est pas pour envoyer, mais je vous assure que je viendrai. On en vient maintenant à notre dernière rubrique de l'émission. Et chez nos voisins, ça se passe comment? Interdiction des emplois familiaux au Parlement, suppression des indemnités de frais de mandat des parlementaires remplacées par des notes de frais. Voilà la règle maintenant en France. Mais la transparence et la moralisation de la vie publique, comment ça se passe du coup chez nos voisins? Élément de réponse avec Olivier Janouex, responsable du Centre Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. On a des législations qui sont complètement différentes. Alors par exemple, dans certains pays nordiques, on n'a pas de législation, en fait c'est juste de la tradition et une pression morale qui est une pression morale et civique qui est suffisamment forte, mais dans d'autres pays, on peut penser notamment à l'Espagne ou au Portugal, on a des législations qui ont été mises en place afin de tenter d'encadrer ou de réglementer la transparence dans la vie politique. Concernant les assistants parlementaires, si on prend le cas de la Suède, les assistants parlementaires sont fournis par le parti politique. C'est pas le député qui choisit son assistant parlementaire. L'assistant parlementaire est, on va dire, nommé, fourni par le parti politique, ainsi que rémunéré par le parti politique. On a aussi le cas en Espagne, où les assistants parlementaires sont aussi nommés, rémunérés, et en fait, c'est même un système un peu différent, parce que c'est le Parlement qui va définir le nombre d'assistants parlementaires qui va être affecté à chaque parti politique. Donc là, c'est directement le Parlement qui va décider. Après, on a d'autres pays, notamment l'Italie, où en fait, là, c'est, on va dire, un peu open bar, où c'est les députés qui choisissent leurs assistants parlementaires. Ils peuvent nommer qui ils veulent, ça peut être des membres de leur famille. Concernant l'indemnité des parlementaires, tout dépend de ce qui est effectivement prévu dans chaque État. Et en fait, la plupart du temps, l'indemnité va dépendre du niveau de vie, principalement du pays. Par exemple, si on prend le cas de la Roumanie, l'indemnité est de 1 195 € par mois. Ça paraît peu par rapport à un député français, mais par rapport au niveau de vie sur place, c'est énormément. Il y a aussi une autre considération qui rentre en jeu, c'est que certains pays
on va dire, surrémunère, et je mets surrémunère entre guillemets, surrémunère certains parlementaires afin d'éviter de la corruption. C'est notamment le cas de l'Italie où on a une rémunération qui a plus de 10 000 euros. Et cette surrémunération est justement mise en place afin d'éviter des cas de corruption. Alors la lutte contre les conflits d'intérêts se fait principalement par la transparence et par le droit de regard des citoyens. Les cas des pays nordiques sont assez intéressants en la matière parce que là, on a une pression civique et morale qui est extrêmement importante. Toutes les dépenses sont censées être publiques. S'il arrive une situation où, par exemple, un parlementaire paye des courses personnelles avec la carte de son parti politique, il est obligé de démissionner, même s'il a remboursé par la suite les dépenses engagées avec son argent personnel. Merci Pascal Durand d'avoir participé à ce 7-8 Europe. Je rappelle que vous êtes eurodéputé des Verts en Ile-de-France. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet et commenter sur nos réseaux sociaux TV78. La semaine prochaine, vous retrouverez le 7-8 Politique.